Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de la quotidienne avec d'abord notre chroniqueur spectacle vivant qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Ses ambitions. Mais il y a les sirènes, ça existe. Mais avant les tritons, ça n'existait pas. Mister Triton, vous êtes le premier de l'histoire d'ailleurs. Cocorico et les Nantais. Mais en début. Ils étaient tous très beaux, mais c'est vrai que Kevin avait un petit plus, comme on dit, un je ne sais quoi, parfois qui ne s'explique pas. Et on a décidé de lui donner ce titre amplement mérité. Du coup, Kevin, ce jour-là, m'a bluffé. Kevin a été très efficace dans l'eau et très, très esthétique. Donc c'est ce que j'ai retenu de lui la première fois que je l'ai vu. Alors moi c'est Kevin, j'ai aujourd'hui 32 ans, j'habite à Nantes et j'ai gagné en 2019 le premier concours Mister Triton France qui est un concours de mermaiding au masculin. Les sirènes ce sont des êtres mi-femmes, mi-poissons qui ont vu leur naissance lors de mythologies dans diverses époques et pays. C'était plutôt des sorcières qui attiraient les marins dans l'océan pour les tuer. Pour moi, une sirène ou un triton, c'est dans l'inconscient collectif, une créature fascinante. Être une sirène, c'est avant tout un état d'esprit. Pour moi, tout le monde peut être sirène. Alors on peut être sirène parce qu'on se rêve sirène, on peut être sirène parce qu'on aime les océans, parce qu'on a un contact avec la mer particulier, parce qu'on en a besoin, parce que ça nous apaise. Pour moi, c'est déjà ça, être sirène. Et après, il y a la dimension du costume. Être sirène, c'est aussi porter, arborer la nageoire. Je crois qu'on a reçu quelque chose. C'est quoi? À ton avis. Je pense que c'est la nouvelle nageoire. Alors, on va se mettre peut-être là. C'est un gros carton, hein. Mmh. Ben, elle est aussi grande que ça. Je suis arrivé. Ouais. Ok, nickel, parfait. Ce matin, dans le Réveil de l'Ouest, on parle de mermaiding. Et pour en parler avec nous, on est avec Kevin Mesrag, Mister Triton 2019. Salut Kevin. Salut. Kevin, tu es nantais et tu as obtenu la toute première couronne d'un concours d'un nouveau genre, chez les hommes en tout cas, le mermaiding. Alors c'est quoi en deux mots le mermaiding, Kevin? Alors le mermaiding, c'est l'art de nager avec une queue de sirène. Ok. Donc sirène au masculin, t'es un peu le Aquaman de l'Ouest. C'est ça, sauf qu'Aquaman lui nage avec ses jambes et nous on a une nageoire de poisson pour pouvoir nager sous l'eau. Ok, et donc deuxième concours, tu es le détenteur de la première couronne et il y a une deuxième édition qui va avoir lieu dans l'Ouest dans pas longtemps. Tout à fait, alors cette année j'organise la deuxième édition du concours Mister Triton France et ça aura lieu le 11 juillet à Guérande. Et c'est ouvert au public? Tout à fait, ouvert au public le matin et l'après-midi. Ça c'est bien. Alors comment ça se passe ce genre de concours? On se pose plein de questions, vous êtes noté comment? Le mermaiding c'est une discipline aujourd'hui qui mêle beaucoup de choses différentes, entre autres et avant tout le sport, car dans le mermaiding, pour pouvoir nager avec une queue de poisson, une nageoire comme on dit entre nous, pour pouvoir performer sur de longues durées et rendre quelque chose de réel au personnage que l'on a de Triton, il faut avoir aussi une partie apnée pour pouvoir rester longtemps sous l'eau et donner l'illusion du personnage que l'on incarne. Après, il y a toute une partie artistique
car il faut savoir incarner son personnage, avoir des accessoires, créer parfois ses accessoires et son personnage aussi. Il y a une partie aussi un petit peu natation synchronisée hein, pour pouvoir offrir au public qui nous regarde quelque chose d'artistique et avec des mouvements qui s'enchaînent. Donc voilà, le mermaiding, c'est un petit peu tout ça. Et bah ouais, maintenant, quand... Tu m'as choisi. Je t'ai choisi. Quand Kevin était candidat Mister Triton France organisé par, par Ludo. 2019. Ouais, tu crevais un peu l'écran, faut dire ce qui est. T'étais... T'avais une belle personnalité, t'avais beaucoup de charisme aussi. Moi c'est Ingrid, je suis sirène à mes heures perdues. J'ai remporté le concours Miss Mermaid France en 2016 et à la suite le concours Miss Mermaid International, ce qui a fait de moi la sirène mondiale de 2016. J'ai une petite communauté mais elle me soutient beaucoup et tout le monde trouve ça très chouette et très joli. Donc, je ressens plus le soutien que le désamour sur les réseaux. Ça plaît pas forcément à tout le monde, il y a des gens qui se moquent, donc il y a des commentaires parfois un petit peu un peu négatifs, un peu acerbes ou moqueurs. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est des choses qui ont pu un peu me toucher. La moquerie un peu facile et simple, mais ouais, ça m'avait touché parce que s'il n'est pas intéressé par ce que propose un artiste comme moi ou n'importe qui, pourquoi passer du temps à se moquer ou à laisser des commentaires sur ça plutôt que de passer son chemin tout simplement. Donc, il faut savoir composer avec ça, ça fait partie du jeu. Et puis oui, après on se concentre plus voilà, sur ce que les gens ont aimé, les jolis commentaires, les encouragements, et puis bah, du coup ça redonne du baume au cœur, et puis on repart sur une note positive, on se donne des nouveaux challenges, des nouveaux objectifs, et puis on continue. C'est comme un film. La petite sirène, son papa c'est un triton, et sa fille et ses autres filles, et c'est des sirènes. Le mermaiding en France, surtout pour les garçons, ça reste quelque chose de niche, c'est vrai. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que les gens s'y intéressent. De plus en plus de garçons ça découvrent et s'intéressent à cette discipline. Et ont envie de s'investir dans cette discipline, cet univers de mermaiding. Donc pour moi, c'est quelque chose qui tend à se développer beaucoup. Les gens ont besoin de se recentrer sur eux-mêmes, de prendre du temps pour eux, ces petits instants de méditation. Pour ça, c'est très important, le fait de faire du sport de façon ludique. Les gens veulent plus faire du sport pour faire du sport. Faire de la compète, tout ça, les gens ont envie d'instants positifs dans leur vie. Et le mermaiding, c'est le fait de se sentir bien dans son corps. Aux États-Unis, on appelle ça le body positive, donc c'est-à-dire que peu importe son physique, on s'assume et on vit.